Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki qui on se retrouve pour un nouvel épisode sur nos plans B. Allez, on va aller faire le siège en cours. Ou alors on fait les... Ouais, non, non. J'avais dit chaque type de mission. Après faire 2D... Non, on va faire ça et ça. J'aime bien, moi, les déminages. Déminages, on l'a pas encore fait, je vais vous montrer, c'est très simple. Alors, voilà, il faut juste être dans les carrés verts à la fin de la mission. D'accord, on commence là. Ah, ça pue déjà du cul. Il y en a des gens qui peuvent se mettre là en spotting. Ok. Alors, les spotters, ils verront quoi? Ils verront là. Mais j'ai pas de snipe et les snipes, ça coûte cher. Et si je mets un fatigué, il va être fatigué, c'est un peu embêtant. Papillote. Mais pourquoi toi t'as que 4 points? Je comprends pas. C'est embêtant. On va se prendre un deuxième docteur. Moi s'il y a un truc que j'adore, ça fait très docteur. Quand on lit docteur, je trouve que ça fait très docteur. Ah, on peut pas savoir. Voilà, peut soigner un coéquipier après chaque mission de la campagne dans laquelle ils sont déployés. Priorité pour eux-mêmes. Ça fait très très docteur. Hein. On se souvient que les docteurs se soignent d'abord eux-mêmes. Mince. On va peut-être te mettre là alors. Ah, j'ai plus qu'une grenade, c'est vrai. Oh là là. Ah, j'ai fait une mission qui m'a donné 200 points. Vous voyez que même une grenade, il faut faire tellement de missions. C'est un peu embêtant. Je trouve que le farming est trop long. Mais c'est moi que ça regarde. Oh, Aminou est blessé. Aminou ce guerrier. Spécialiste des mitraillettes. Ouais. Et grenadier. Alors en vrai... Le GIGN et le SWAT, ils sont quand même plus doués que ça avec des armes à feu, hein, moi je vous le dis. Je vous le dis. Mais pourquoi t'as que 3 points? Ah oui, toi tu es mort tout de suite, le signe noir, c'est vrai. Dès la première mission où tu es arrivé, tu es mort. Tu vas quand même être un spécialiste des fusils d'assaut, malgré que tu sois... voilà. Ah, mais ils ont tellement pas de PV, comment je vais faire? Oh là là. Ça pue, hein. Je vous le dis tout de suite. Ouais, mais après j'ai plus de grenades pour tout le reste de la campagne. Oh là 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 là. Mais je vais pas farmer pendant 8 heures quand même. Je vais pas faire 800 missions. J'ai pas le temps. Oh là là là. Ça c'est un truc qui est un peu embêtant. Genre le SWAT, il a 5 grenades et c'est tout quoi. Alors non, normalement à chaque fois que vous commencez une opération, vous avez toutes vos munitions. Bon bref. Ça c'est autre chose, c'est un jeu vidéo, rappelons-le. Ah oui c'est vrai. Pointe. Ouvre la porte. Bordel, Mured. Je t'ai demandé de viser là-bas, pourquoi tu vises pas, crotte de bique? Sérieux quoi? Oh. Mais pourquoi? Pourquoi le perso garde pas sa visée? Oh! T'es bugué ou quoi? Ça va me saouler! Pourquoi le perso garde pas sa visée? C'est n'importe quoi! Non, mais si ça commence à pas fonctionner comme ça doit fonctionner, moi je vais. Ça va pas le faire! Hein. Ça ne va vraiment pas le faire! Voilà, et lui garde sa visée! Le perso est bugué! Merde! Bon bah j'ai que deux persos pour la mission.
Super. Et en plus, il a le fusil d'assaut. Vous savez, le truc qui sert à tirer loin. Alors, je vais juste voir. Non, bah, je sais pas pourquoi. Alors là, il est plus bugué. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, tu veux pas rentrer en deuxième, c'est ça? D'accord. C'est noté, c'est noté. Là, normalement, tu vas rester là comme ça. Pourquoi ça est revenu là? Je ne sais pas. Ok. Cette pièce-là, on n'a pas forcément besoin d'y aller. On doit juste être là et là. Hein. Ça pue tellement. Il y a tellement un qui va se mettre là dans notre dos. Garde ta visée là-bas. Pourquoi elle s'est remise là? C'est complètement con. Bref. Y a pas le mode pas du rat. En vrai. Je sais pas si ça c'est une sorte de pas du rat ou pas, je ne sais pas. Là. Pendant ce temps-là. Là, tac, 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 tac. Là, ok. Donc là, tu vas commencer à te déplacer. Mince. Donc là, il garde bien la visée. Mignon! À ce moment-là. Moment où je t'ai appuyé dessus, quoi. Ok, alors, et toi, pendant ce temps-là, pendant que les deux ils font les zigotos, tu vas aller là. Voilà, toi, une fois que t'es là. Comme t'es couvert, tu vas pouvoir aller jusque là et te mettre là comme ça. Comme ça, eux, s'ils rentrent, c'est OK. Toi, tu peux venir là en couverture. Voilà. Ça va tellement mal se passer. C'est quoi ce truc? Je sais pas ce que c'est. Absolument pas convaincu. Parce que j'ai plus de PV, parce que j'ai plus rien. C'est horrible. C'est parti. Ça a tellement mal se passer. Ok. Les mecs qui mettent littéralement 10 minutes à aligner une cible, quoi. Le mec, il a eu le temps de te mettre 3 balles avant que tu tires, quoi. Sérieusement? T'es censé faire partie du SWAT, quoi. T'es pas censé être une grand-mère, hein.
Ouais, bah là j'ai perdu. Hein. J'ai perdu. Voilà. Mission échouée parce que les mecs ils sont morts quoi. Et donc on peut pas la refaire? Comment ça se passe d'avoir échoué une mission? Moi je ne sais pas. Ah ouais non d'accord, on peut pas la refaire. D'accord. T'as juste perdu. Ok, bon. Bah tant pis. On va faire celle-là alors. Abandonner le chapitre. Bah, on est obligé de faire celle-là. Avec plein de morts. Super. Bref. Plein de morts, j'ai plus de grenades, j'ai plus rien. Super. De part. Bref. Tac. 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 Spécialiste des fusils d'assaut. Mitraillette. Ok. Bon. Bon, 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 bon. Bah, vas-y, balance la dernière grenade qu'on a. Hein. Tac. Ok. Pendant ce temps-là. Alors. Ok. Faut tuer tout le monde, hein, pour le coup. De toute façon, on n'a plus le choix que de faire comme ça. Bordel de merde. Bordel de merde. Deux fois. Allez. Voilà. Allez. Là, il y a clairement un mec qui va nous défoncer, mais bon, c'est pas grave. Alors, il y a aussi un truc qui m'embête, c'est que ça, c'est au moment où la porte, elle s'ouvre, pas au moment où tu donnes l'ordre. Ce serait bien pour... je pense que ça pourrait être mieux fait, mais... c'est ok cheer. Là il y a clairement un mec qui va sortir de cette pièce, il va se faire descendre. Mais d'accord hein. D'accord que tu le descends hein. D'ailleurs. Hop. Hop 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 hop. Understood. Toi. Roger. Tac. Alors. Pendant ce temps-là, les autres glandus.
Ok, alors. Hop là. Tac. Tac, tac, tac. Et toi, 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 et toi. Alors, tu vas commencer à te déplacer. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Copy that. On est d'accord que les deux couvrent la porte, hein, donc s'il y en a un qui sort, il se fait défoncer. Hein. On est d'accord. Hein. On est d'accord, vous êtes au taquet sur le trigger. Hein, les gars? Ouais, ça va mal se passer. Moi, je dis ça se passe mal. Allez. On y va. Ça se passe très mal. Spoiler. Ils ont pas tiré. Ils ont pas tiré. Comment on peut. Alors ça, c'est un truc que je ne comprends pas dans le jeu et j'arriverai jamais à comprendre. Je crois que je ne peux pas y arriver. C'est, je comprends pas comment les persos se déplacent. Je suis désolé. Quand on est un membre d'un commando, alors pour ceux qui savent pas, le pas du rat, c'est tu poses un pied, tu tires. Tu poses un deuxième pied, tu tires. Tu poses un troisième pied, tu tires. Tu poses un. Voilà. Et en fait, à chaque pas, tu tires en même temps que tu poses le pas à tu poses le pied à terre. Et déjà, je comprends pas pourquoi ils sont en mode automatique. Alors, normalement, on se met toujours en semi-automatique. Et là, les mecs, ils ont juste pas tiré. Là, ils ont juste pas tiré. Le mec, il est là. Il tire juste pas. Attends. Attends. Pourquoi il y a un coup de pied là? J'ai jamais demandé à donner un coup de pied là. J'ai jamais demandé ça. Ah bah oui, bah forcément, si déjà le jeu il commence à me dire à changer les règles et à dire que quand le mec il rentre, et bah voilà, bon bah juste on a perdu. Voilà. On peut juste pas avancer plus loin. Ah si, il faudrait faire celle-là. Ah mais donc on peut faire toutes les missions? Ah, mais ça il fallait me le dire avant. Là j'ai un mec. J'ai Aminou. Tiens, on va voir ce que ça fait de perdre juste tout seul. Ouais, de toute façon, hop, il va mourir. Hein. De toute façon, alors. Je t'ai jamais demandé ça, déjà. Tu veux faire ça? Hop. Juste voir ce que ça fait de mourir. Voilà. Alors, exécuté, confirmé. De toute façon, il va mourir. Je veux juste voir ce que ça fait de mourir. C'est perdre tous les mecs. Voilà. Là, le mec, moi, lui, il me voyait, moi, je le voyais pas. Qu'est-ce que ça fait de perdre tous ces soldats? Ouais, donc là, t'es bloqué, t'as même pas un. Vous avez perdu. Non, il faut absolument faire. Abandonner et recommencer tout depuis le zéro, quoi. Ouais. Un peu chiant les campagnes. Sérieusement, les campagnes sont chiantes. Elles sont chiantes parce que là, on l'a vu, j'ai jamais demandé au gars de donner un coup de pied et il l'a fait et donc c'est chiant.
Tu gagnes pas d'argent, donc tu peux pas améliorer tes armes, tu peux pas changer tes armes. C'est... En fait, avant de faire la campagne, ce que j'ai compris, c'est qu'avant de faire la campagne, tu farmes. Tu fais toutes les missions, tu fais tous les défis, tous les jours, et une fois que t'as assez d'armes pour tout le monde, que t'as 12 000 grenades, eh bien, tu peux faire les campagnes. Ok, alors, c'est de la fausse durée de vie. Bref, on va faire un défi, tiens, pour voir. Ah, on est 4. D'accord. Faisons un défi. Alors, je veux pas dire, hein, mais il y a deux portes, vous le savez, hein, parce que en fait, là, les gars sont déjà à l'intérieur, on est d'accord, hein, c'est une exfiltration. Il y a deux portes, pourquoi les 4 mecs regardent dans la même direction par là? Normalement, il y en a deux là. Et deux là? Je comprends pas. Puis c'est pareil, tu te mets pas là. Non, mais deux là. Et de là, quand tu commences, si même à 8, bon, il met 8 places, mais on est 4. Et ben, un ici, 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 un ici. Tous, les deux qui regardent cette porte-là, deux qui regardent cette porte-là, deux qui regardent... Bon, je fais avec mes doigts. Donc, deux qui regardent cette porte-là, ici, deux qui regardent cette porte-là, deux ici qui regardent cette porte-là, et deux qui regardent cette porte-là. Y a pas à chier. C'est comme ça que tu fais. Tu te mets pas en ligne là. Ça n'a pas de sens. C'est quoi ce commando? Pire commando ever. Je vous le dis. C'est le pire commando. Pire commando ever. Bref. Alors. Ah, on aura des médecins, ça c'est bien. Fusil d'assaut. Alors ça aussi, truc un peu chiant. C'est que je peux pas choisir mes persos pour ces missions là. Mettons, si les 4 premiers vous avez mis 4 docteurs, et bah vous avez 4 docteurs, vous avez pas de spécialistes, vous avez rien. Pourquoi j'ai pas la liste de mes soldats et je peux pas mettre ce que je veux? Ce serait comme ça normalement, non? Bref, il y a des choses, hein. Il y a des choses à dire sur le jeu. Il y a des choses à dire sur le jeu. Alors, voilà, qu'est-ce que je disais? Donc là, on a clairement, voilà, le truc c'est que là, on a un mec qui va ouvrir la porte et il n'y a personne pour voir s'il n'y a pas un mec là. C'est exactement ce que je disais. Tac, 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 ok. La grenade est throwing. On est d'accord que là le mec il est mort. S'il y a un mec là, on est d'accord que ça fait 10 minutes qu'il est mort. Normalement, hop, là il est mort. Là il est mort. 0,25 secondes. C'est le temps que vous avez en close combat. 0,25 secondes. Ok, alors. J'ai mal timé mon truc avec elle. Alors, j'ai clairement mal timé. Voilà. Pourquoi je suis stun? Pourquoi je suis stun? Il est où le cercle? Je ne vois même pas le cercle de stun. Vous allez me dire que c'est au pixel de cul, c'est ça? Bon, pourquoi je peux pas changer l'emplacement de la grenade? Ah ouais, c'était au pixel de cul. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, on est d'accord que là, elle est pas stun. Non. Allez. Donc, le signe noir, comme t'as tué le mec depuis 10 minutes. On est d'accord que maintenant, tu peux faire ça. Donc là, s'il y a un mec là, il est mort. Hein. On est d'accord. Oui, bon, là, tu verras pas grand-chose, je sais. Mais c'est pas grave, parce que... Là, on est d'accord que là... Understood. Allez, d'accord, on est à cet écart-là. D'accord, on est à cet écart-là. Ok, alors... tac, tac. Tac, 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 tac. Voilà. Donc... Là,
Hop. Donc là, si tu défonces la porte, c'est après l'explosion et elle est déjà rentrée. Donc c'est pas bon. Donc c'est pas bon. Donc c'est pas bon. Alors, on revient en arrière. Là alors. Pourquoi c'est ce perso là? C'est absolument pas lui que je veux. C'est lui que j'avais sélectionné, mais bon, c'est pas grave. Alors non. La grenade, elle a pas encore pété, donc c'est pas bon. Là, elle a pété, mais elle est déjà rentrée. Bordel de merde. Voilà! Pile au moment de l'explosion. Et ça, c'est bon. Mais tu vas peut-être être stun, en fait. Ouais, t'es complètement stun. Ah oui, mais elle est rentrée, d'accord, ok. Ok, ok, ok. Au moment où elle est rentrée, la grenade fait plus effet. D'accord. Ah, bordel! Pardon. Mured. Cette murification m'ennuie. Et m'ennuie fortement. Juste le fait que à chaque fois que t'as pas l'angle, tu te fasses mured. Parce que là, si je le laisse, le perso, il fait ça, et il revient là. Ce qui n'a aucun sens, on est d'accord. Hein. Ça n'a aucun sens tactique. Hein. On est d'accord. Ok. Tu vas te mettre là. Voilà. Donc, attention, maintenant, je sais pas pourquoi maintenant les gars se déplacent. Contrôle. Ok, et mais pourquoi ça a changé la ligne de temps quand je sélectionne ce perso? Ou alors j'ai juste cliqué juste en dessous? Bon, là, on est d'accord que s'il y a un mec qui rentre là, qui passe par la porte, il est mort depuis 20 minutes. Hein. D'accord, là-dessus on est d'accord. Alors. Donc là, grenade. Ok, donc on est d'accord que t'es pas stun. Non. Donc au moment où tu ouvres la porte. Déjà. Voilà. Ensuite. Toi, tu peux y aller. Un peu avant d'ailleurs. Alors attends. Voilà. Hop. Ok, de toute façon, là ils sont stun. Hein. Les mecs qui sont là, ils sont stun. Donc c'est pas un problème. Et de toute façon, on a ici elle, normalement, qui les descend. Là, ça marche pas. Mais en fait, si. Parce que elle peut pas tirer, mais elle peut tirer. Donc techniquement, c'est bon. Et le signe noir va arriver en dernier pour couvrir la porte. Parce qu'on sait que les fusils d'assaut dans ce jeu, c'est un peu de la chiasse. Un tout petit peu. Alors. Bon, là, normalement, le mec qui est là, il est mort depuis 10 minutes. Hein. Ok. Tac, 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 tac. Comme ça, s'il y a un mec qui sort... Il est mort depuis 20 minutes. Là, on est d'accord que le mec, il est mort depuis 10 minutes. Hein. Ok. Non, c'est pas absolument pas ça que je veux que tu fasses. Je veux que tu viennes là. Et que pendant qu'elle se déplace, toi, hop là.
Mais évidemment, s'il y a un mec qui sort, toi tu l'as descendu depuis 10 minutes. Hein. On est d'accord là-dessus. Ah mais j'avais complètement oublié que c'était une exfiltration. Pour le coup. Donc il faut juste aller là. Hein. On peut aller là d'ailleurs. Ok. Là, ta grenade, elle a déjà pété. Hein. T'es pas stun? Non, t'as pas fait cette connerie. Parce que des fois ils s'auto-stun, hein, les gars. Alors, ok. Donc. Pendant que la grenade, elle explose. Quoi? Tac, 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 tac. On est d'accord que là, s'il y a des mecs qui sont morts depuis 20 minutes. Hein? Go. Ok, t'as pas le droit de viser, mon petit Inaru, toi. D'accord. Ah, attends. Oui, c'est bon, ça a changé. Ok. Et mon ami El Signo Negro. Bon, et puis là, là c'est FBI open up et on dégage. Hein. Et d'accord. Hein. Normalement, ça doit bien se passer. On va juste vérifier ça. C'est parti. Ils mettent 20 minutes à tirer. Vous avez vu le temps que le signe noir a mis à tirer? Est-ce que vous avez vu le temps que le signe noir a mis à tirer? C'est impensable. C'est un membre des commandos. Il a mis plus d'une seconde à tirer. C'est 0,25 secondes, je suis désolé. C'est le temps que vous avez entre la vie et la mort. Ils sont tellement lents à tirer, les gars. Sérieusement. C'est fou, hein. C'est vraiment fou, hein. Ils sont hyper lents. Hyper, hyper lents. Mais bon, on a réussi, donc on s'en fout. Ok, donc là, on a eu 500 points. On est d'accord. Mais on va s'arrêter là, parce qu'on a remarqué que le signe noir était quelqu'un de très très lent sur le trigger. En français, comment ça se dit déjà? La queue de détente. Voilà, tout à fait. Et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.